Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, ce matin, nous allons savoir que pense Maurice Kamto de la jeunesse camerounaise. Quelle est la place que la jeunesse occupe dans son esprit? Parce que j'entends parfois les gens dire « on veut un président jeune, ils veulent nous vendre ce truc ». Mais la question que tu as envie de demander, quelle est la place que la jeunesse a là dans la tête de ce président jeune? Comment le jeune la perçoit? Parce qu'avoir un président jeune, c'est une chose, mais ce n'est pas un projet politique. Mais qu'est-ce que le président a comme projet pour la jeunesse? Ça, c'est un projet politique. Avoir un président jeune n'est pas un programme ni un projet politique. Mais qu'est-ce que le président prévoit pour la jeunesse? Quelle est la place que la jeunesse occupe dans le programme politique? Ça là, c'est un programme politique. Donc à un moment ou à un autre, les raccourcis, il faut les éviter. Parce que ces jeunes-là sont les premiers, ces jeunes-là qui sont les premiers à pactiser, à faire des compromis, à faire des alliances et des associations qui, avec des personnes qui n'ont qu'un seul projet, plomber ou alors maintenir la jeunesse au bas de l'échelle. Qu'est-ce que Maurice Kamto dit dans sa pensée numéro 16, celle d'hier? La pensée de Maurice Kamto, il dit, l'éducation de la jeunesse est la semence qu'une nation sage. L'éducation de la jeunesse, voilà la place que la jeunesse a dans le programme. Je ne parle que des choses que je connais, moi, fait par la sorcellerie. Si vous vous demandez pourquoi Valsero, il est là, c'est ma proposition politique, Maurice Kamto. Pas sa gueule. C'est le contenu. Ce n'est pas la gueule de Maurice Kamto qui m'intéresse. Ce n'est pas sa gueule. C'est le contenu qu'il y a dans ça. Par exemple, dans son projet, dans son approche, l'éducation de la jeunesse est la semence qu'une nation sage met en terre et arrose régulièrement pour garantir l'avenir. Ça veut dire, par exemple, que dans un pays dirigé par Maurice Kamto, les enseignants chargés d'éduquer la jeunesse, chargés d'utiliser la jeunesse comme étant la semence, les enseignants chargés d'arroser la semence et faire grandir la semence qui est la jeunesse pour l'avenir, ces enseignants-là ne pourront pas subir les histoires de OTS. Ils ne pourront pas subir la souffrance. Les éducateurs, ils ne pourront pas. C'est pour ça que dans cette pensée de Maurice Kamto, il va plus loin en disant, c'est pourquoi les éducateurs enseignants de tous les niveaux doivent être traités avec ménagement, considération et respect. Chaque enseignant devrait avoir cette pensée. C'est-à-dire, quand vous vous posez la question, vous, si vous êtes un enseignant, vous devez savoir pourquoi vous votez. Vous devez savoir dans quel sens vous partez. Vous devez vous dire non. C'est pour quelque chose. Donc, vous devez vous mettre... Est-ce que tu es un enseignant ou tu vas voter pour un président parce qu'il est jeune? En quoi ça donne de la valeur à ton travail? En quoi le fait que la jeunesse du président donne la valeur au travail de l'enseignant? Si c'est ça son projet politique, si c'est ça ce qu'il pose sur la table, si c'est la jeunesse qu'il pose sur la table, à quel moment ça règle les problèmes des enseignants et des finances? Non, il faudrait que la place de l'enseignant soit mise à un niveau supérieur dans le programme politique. Dans le programme politique, quelle est la place de la jeunesse? Si tu connais quelle est la place de la jeunesse dans le programme politique, tu peux connaître quelle est la place de l'enseignant. Parce que c'est lié. Quelqu'un qui sacrifie les enseignants, sacrifie la jeunesse. Quelqu'un qui prend tous les enfants et met sur le Ben Sikin. Quelqu'un qui prend tous les enfants et met sur le call box. Quelqu'un qui prend tous les enfants, il met dans le bateau pour partir, pour quitter le pays. Quelqu'un qui prend tous les enfants, il envoie au Canada. Aussi, Canada, il prend les enfants, il envoie au Canada. Je suis désolé. En termes de projet politique, par exemple, quand on prend le projet politique du R, vous voyez très bien où est la place de la jeunesse dans le projet politique, par exemple, de Pomba. Vous voyez quelle est la place de la jeunesse dans le projet politique de Pomba. Mais il y a des jeunes qui défendent Pomba. Il y a des jeunes qui sont accrochés, qui ils vont encore venir ici, venir insulter, que laisse-nous avec ça. Il y a des jeunes
des jeunes, si un président jeune était ça, soit ceux qui n'ont aucun jeune qui supporte Pomba, mais allez les voir. Allez les voir. Allez les voir. Si la jeunesse a été un problème, c'était ça. Non, il n'y a aucun jeune qui supporte Pomba. Mais ils sont des milliers. Mais quel est le programme de Pomba pour la jeunesse? Que souffrance, misère, abandon de soi-même. Si jamais lui-même, il s'en fout des enfants, imaginez-vous donc qu'est-ce qu'il il a à battre des enseignants. Qu'est-ce qu'il a à battre des enseignants? Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne devait pas être en train de se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on va faire en 2020. Ça devait tellement être clair dans nos esprits. Ça devait être clair dans nos esprits. Si tu es un enseignant, donne-moi le nom d'un leader candidat à la prochaine élection qui t'a parlé, qui t'a dit qu'il a un projet pour toi. Tu écoutes quoi? Tu écoutes qui, mon cher enseignant? Voilà une pensée que je te donne. Voilà, et c'est extrait du programme politique. C'est la place de l'enseignant dans le Cameroun de demain. Et toi, l'enseignant, tu dois travailler. Pourquoi tu n'as pas ta carte d'électeur? Pourquoi? Tu préfères faire OTS, on a trop supporté, au lieu de prendre ta carte d'électeur et de te préparer, dire que non, je sais exactement là où je veux aller, j'ai la chance qu'il y a un leader dans cet environnement, il y a un programme politique qui a ma branche, qui a ma part de problème dedans résolu. Ben oui, quand vous partez lire un programme politique, c'est pour voir si vos vies sont représentées à l'intérieur. On ne peut pas lire un programme juste pour lire. Non, les gars, on part lire un programme pour voir si nos vies sont représentées à l'intérieur. Si tu es footballeur, si tu es sportif, tu lis pour voir quelle est la politique sportive. Si tu es un artiste, tu lis pour voir. Si tu es un machin, tu lis pour voir. Si tu es un homme d'affaires, tu regardes globalement pour voir le climat des affaires, comment c'est que ça se décline dans ce programme politique. Tu regardes toutes ces choses. Et si un leader ne peut pas parler de l'éducation de la jeunesse comme étant la semence qu'une nation sage, ça veut dire une nation qui a la sagesse. Une nation sage, ça veut dire une nation de gens sages, qui ont de la sagesse, qui veulent faire des choses, qui ont un projet, qui ont de l'amour, qui ont de l'affection. Parce que amour, affection sont les petites... Les affections, sagesse, c'est les petites définitions de l'amour. L'amour pour l'autre. L'éducation de la jeunesse est la semence qu'une nation sage met en terre et arrose régulièrement. C'est Maurice Kamto qui dit ça. C'est la place de la jeunesse dans son programme politique. C'est la place de la jeunesse dans le Cameroun de demain. Donc, cette place de la jeunesse qui est conditionnée par le traitement qu'on donne aux enfants, des enseignants. La place de cette jeunesse comme semence qui garantit l'avenir. Mais c'est qui c'est qui arrose ces semences? C'est qui c'est l'éducation de la jeunesse? C'est les qui c'est, ce sont les enseignants. C'est pour ça qu'il part plus loin en disant, c'est pourquoi les éducateurs, enseignants de tous les niveaux doivent être traités avec ménagement, considération et respect. Pour que l'éducation de la jeunesse soit la semence qu'une nation sage met en terre et arrose régulièrement pour garantir l'avenir. C'était la pensée numéro 16 de Maurice Kamto, celle d'hier. Je tenais à la faire revenir, à vous l'expliquer de manière claire, pour dire au corps enseignant que c'est dans le projet, c'est dans le programme, la solution politique est dans le programme politique. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'avez pas. Inscrivez-vous, les enfants. C'était papa.